Salut, c'est Missa. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur un nouvel épisode de Mon Let's Play à Vie Citadine avec Zoé et Florian. Donc là, ok. Donc là, elle l'a fait. Donc j'espère vraiment qu'elle va avoir sa promo. Ça serait super. Et lui, ça c'est fait. Ah, mais il bosse pas lui. Donc là, on s'en fout. Mais c'est vrai que j'aimerais vachement qu'elle ait sa promo. Elle est au niveau 5. Donc ça lui ferait passer au niveau 6. Ça serait pas mal. Faudrait qu'elle soit d'humeur joueuse en plus, donc là ça serait bien. Ouais, de toute façon elle va partir, elle commence à 10h, ça sert à rien que je lui dise de rejoindre la partie. Allez Zoé, on compte sur toi pour avoir la promo, ça serait vraiment super. Et Florian. On va écrire un article, ouais, c'est pas commencé, mais il bosse pas. Il a rien d'autre à faire qu'on. Et bien au pire qu'on continue à monter son écriture, de toute façon ça servira toujours dans son... Ah non, pas les factures hein. Bah reprendre l'écriture. Ah bon, on avait commencé à écrire un truc, je m'en souviens. Bah... Voilà, ça pourra toujours lui servir, donc ça sera pas mal. Ah, pause. Elle a eu sa promo. Yes. T'as géré, Zoé. T'as géré. Alors, diffuseuse de contenu spécialisé. A été promue diffuseuse de contenu spécialisé. Elle gagnera des forfaits. 41 sim plus de plus par heure, soit 97 de l'heure au total. Elle a également reçu 188 lancés. Même amusant et publié un statut. Cool. Faut qu'elle fasse quoi maintenant? Je suis trop contente qu'on ait eu la promo. Alors, elle doit avoir 100 000! Waouh! Atteint le niveau 5 de la compétence comédie ou malice. Donc, je crois que c'est en malice où elle est le plus haut. comédie. Ah non, comédie, elle est à 4. Je savais pas qu'elle était aussi haute. Et malice. Ah, comédie, cool! Donc, ce sera comédie et partager des blagues avec ses abonnés. Moi, mais 100 000! Please! On n'est tellement pas arrivé. Ce qu'on va se faire, ce serait bien qu'ils parlent. Mince. Ce serait bien qu'ils parlent tous les deux. Parce qu'ils ont besoin de vie sociale, donc ça c'est cool. Ouais, partager des idées. Alors pour monter au niveau des abonnés, et ben. Ah, le festival des épices! Ouais, j'y étais qu'une fois au festival des épices. Ouais, j'ai bien envie d'y aller. A lieu dans ce quartier. Ça commence à 17h. Pourquoi on peut pas y aller? Attendez, what? Bah oui, mais je sais qu'il a lieu dans ce quartier. Je veux y aller. Ah, mais attendez, c'est en train d'apparaître. Ah, bah attendez, on va y aller. Ah oui, j'avais oublié ça, ces trucs là, que ça fait... Ouais, on va faire ça. Oui, il y a plein de trucs à récolter. Oh, attends, vas-y, récolte ça aussi. Ça, on peut les vendre, c'est les fruits du dragon. Ah, les murs, ça aussi, ça rapporte. Oh, mais ça, mais il aurait tellement fallu... Quand je vous dis qu'à chaque fois, c'est pas le bon truc. C'est pas le bon challenge là avec... C'est pas le bon challenge là, il aurait fallu que je vienne avec Samantha du 26 bébé challenge survival. On aurait pu ramasser des trucs, tout vendre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'étais venue qu'une fois ici. Ah non, c'est pas l'heure de planter. Ah mais là c'est fermé, c'est triste. Là, il n'y a qu'un truc ouvert. Il y a une assiette ici. Ah, il a échoué. Tu m'étonnes, t'as tellement pas l'habitude. Pourquoi il peut pas ramasser? Ah, parce qu'il n'y a rien. Mais tu peux ramasser les fruits du drap. Pourquoi il peut pas?
Oh mais non, mais t'es sérieux, c'est parce qu'il est trop mal à l'aise. Ah Florian, mais Florian, mais Florian! Bon. Zoé, elle est pas mal à l'aise. Elle va récolter comme ça. Elle en pourra vendre. Attends, il n'y a pas des affiches en même temps? Si, voilà. Ce serait bien qu'on commence à avoir du fric pour construire leur futur logement. Ça serait bien. T'as toujours pas fini? Ah, je me disais, attends. Ah, attendez, pause. Pause, pause, pause. Alors, mince, je suis pas dans le bon inventaire, je me disais, attendez. Mais lui, je savais même pas qu'il avait un truc dans son inventaire. Mais, pourquoi je peux pas passer sur Zoé? Ah, bah dis donc, les bugs. Alors, 15. 20. 110. 160. Parfait. 20. T'envoies les trucs qui ramassent, hein. Qui rapportent, pardon. Ça, ouais. Ça, ouais. Et ça, ouais. Mais ça doit plus être bon en plus. Attends, je lui fais... Vas-y, attends, continue à nettoyer ton truc. Attends, toi, pareil, nettoie. On va leur vider tous leurs trucs. Ça sert à rien. C'est quoi, ça? Non, mais pas jeter. Y a que ça, en fait, à faire. Mais ça va être pareil, elle va avoir une super mauvaise note parce qu'elle a pas l'habitude de tenter de bouffer des trucs. Bon, moi, elle a tenté, elle aussi. Ah oui, j'avais oublié les machines à bulles. Non, vas-y, on va prendre Florian. S'asseoir et essayer. Ouais, vas-y. C'est quelle saveur? Ah bah, elle aussi, elle a échoué, mais ça, c'était prévisible. Mais vas-y, teste! Ah, je pensais que quand je changeais de saveur, bah après... Non, ça lui fait rien. Ah, il y a Gabi qui est venue nous rejoindre. Il est tendu. Oh, mais c'est nul. C'est pas drôle. Mais c'est pas drôle. On va rentrer, nous aussi. Le lendemain, il faudrait que ce soit Florian qui ait sa promo. On est pas mal monté là en fric, hein. Oh non, regardez. Allez, on est reparti. Je crois que nos voisins n'ont toujours pas compris. Pourquoi on peut pas frapper? Allô? Bah oui, mais si je leur dis d'aller se coucher, ils vont pas vouloir. Ah non, c'était pas boire du café en fait, c'était... Eh oui, mais voilà, mais ils veulent pas. Mais on peut pas aller frapper, je fais comment moi? Ah, j'adore les bugs hein, comme ça. Vraiment toujours un plaisir. Arrêtez, soit arrêté. Va vite dormir. Au final, est-ce que ça monte vraiment le café ou pas? J'ai pas compris pourquoi on n'a pas pu aller frapper chez eux. Hein. Non, mais on s'en fout de la fin du festival. Ouais, ça monte rien du tout en fait. Bon, elle va dormir. Le café, ça sert à rien. J'ai mis quoi? Prendre une boisson. Non, non, mais non! Ah, mais oui, mais. J'avais oublié qu'à chaque fois je dormais énergie, c'est le café. Non, mais non! Je voulais que t'ailles dormir, moi. Oh, regardez, regardez, regardez ce qui est en train de se passer. Regardez, pause! C'est mon vampire, Samuel Roussel. Il vient de rentrer chez nous. Oh non. Oh non.
You're a lot lush, Zuglora. Oh non, mais vous êtes sérieux là? Il va lui faire quoi? Il l'a juste réveillé, il va pas le casse-dalle, rien. Est-ce qu'un Sims vampire peut rentrer chez nous et transformer un de nos Sims en vampire sans qu'on puisse rien y faire? Déjà, on peut aller le voir et lui dire. Présentation grossière, bah ouais, attends, tu rentres chez toi, enfin, tu rentres chez nous, t'es pas invité. Bon, se battre avec un vampire, c'est pas une très bonne idée, mais. Il compte regarder Zoé dormir? Mais c'est flippant! En plus, il a même pas fini de dormir, mon Sims. Bon, au moins, t'as réécrit ton article, écoute. C'est déjà ça. Ah! Mais il a encore tout. Crier dessus? Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Et Zoé, même pas se réveille, hein, son petit ami qui est. Et ça s'installe. Ah, ça y est, t'as compris? Ah, très bien. Bon, bah, tu peux te rendormir. C'était sympathique, j'ai rien compris. C'était très bien. Ah, travail de. Non, on va le faire partir au travail. Mais c'est vrai, ouais, dites-moi dans les commentaires si un Sims peut être transformé. Sans qu'on va. Enfin voilà. Comme là, imaginons que Samuel y serait rentré. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un Sims rentre chez vous et vous transforme en vampire? Je pense pas que ça soit possible. Je pense que ça se fait. Par contre, elle travaille à domicile. Par contre, non, je pense que c'est à nous de. Il rentre juste comme. Mais je sais pas. Je sais qu'il peut bouffer les Sims, oui. Mais est-ce qu'il peut nous transformer sans qu'on donne notre avis? Ça, je sais pas. Attends, prends... manger un repas rapide, ouais, bouffe des céréales. Parce que tu vas partir au travail, il faut que t'aies ta promo. 100 000 abonnés, nanana. Alors, gagner de l'argent en faisant de la publicité pour un produit peu important. Comment on fait? Faire de la publicité. Oh, j'ai jamais fait ça. Et diffuser une séance de jeu en direct pendant 4 heures. Ah bah ça, on va le faire, oui. En plus, ça nous rapporte des abonnés, donc ça, c'est cool. Jouer et diffuser une séance sur Internet. Et... Ah bah, vive les Sims, hein. Toujours pareil. Toujours pas pour nous? Non, nous, on est là. Non, toujours pas pour nous, ouais. Charisme niveau 6. Des Simflous valent bien quelques abonnés en colère. Non mais si vous perdez des abonnés sans recevoir d'argent pour autant, c'est bien... Ah bon bah très bien. Ah bah c'est super. Merci de me demander des trucs qui me font perdre mes abonnés. Hein. C'était pas sympa le jeu. Et en plus ça a pas marché. Je me suis fait avoir. Ah mais non. Je me suis fait arnaquer. Bon, on va terminer cette journée. On va attendre de voir si Florian a eu sa promo. Et puis, on s'arrêtera ici. On l'a fait qu'elle a eu toilette. Nanana. 18 000. Ouais, mais attends, on n'y est pas encore. Hein. Attends, bah tiens, il a bouffé ses... il a laissé ses céréales. Oh non, le PC, il est pété. Oh mais non. Remplacer 1600. Ah non, non, tu le répares. Oh mais non, mais ça nous fait perdre du temps. Mais c'est trop nul. Alors, sélectionner une carrière pour Florian. Critique d'art ou critique gastronomique? Ah, ça c'est une bonne question. Moi, je ferais bien une critique gastronomique. Ouais, je serais plus partie pour là-dedans.
Ouais. 49$, 47, 10h, 16h, 12h, 17h. Ouais, non, mais je serais plus parti par là-dedans. Ah bah attends, mais il a eu sa promo. Donc, un dénicheur de plats inédits gagnera désormais 15 de plus par heure. Nanana. Plaque murale supplémentaire. Nanana. Intéressant, faire la critique d'un plat ou d'une boisson. Bah c'est cool. Ah, attendez. Alors, faire la critique de la nourriture d'une boisson et... Oh, bah c'est très bien. Ah, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un tour dans leur inventaire pour voir s'ils n'ont pas des trucs, parce qu'avec toutes leurs promos qu'il y a eu... Ah, déjà, il y a des bougies. On va les vendre. Il y a... un truc de charisme. Ah! Ça, c'est la débloquer dans la carrière. Ça, c'est tous les trucs qu'ils ont débloqués dans leur carrière, donc on va peut-être le garder. Pourquoi il y a un plafonnier? Médecin, on va peut-être pouvoir les mettre. Pourquoi il n'y a pas de peinture? Ah mince, ça devait être un contenu perso que j'ai enlevé. Parce qu'il faut qu'il n'y ait plus de toile. Ça, je vais l'enlever. Et on va mettre les trucs, voilà, par rapport à leur carrière. C'est un peu plus sympa. Et ah, attendez. Ouais, ça devait être un truc par rapport à... Voilà. Bon bah écoutez, les deux ont eu leur promo, ça avance petit à petit, donc lui il est au niveau combien? Mais quand je vous dis, j'ai l'impression qu'on va, beaucoup plus vite avec lui qu'avec elle. Elle, c'est beaucoup plus long. Donc, eh ben, on continue tout ça à partir de la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine.